Les aigles se rassemblent. Lettre du 16 octobre 2021 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chers aigles qui se rassemblent, oh quel moment, quel temps! Il n'y a rien qui n'a pas été accompli. Les aigles de Dieu se rassemblent autour du cadavre. La prophétie s'accomplit. Pas une seule fois elle n'a failli et elle ne faillira pas. Parce que nous qui avons été prédestinés à le voir, le verrons. Depuis que notre Père a rappelé son prophète à la maison, son épouse n'a jamais été aussi unie autour de sa voix comme elle l'est aujourd'hui. Il a choisi le moyen par lequel sa parole allait venir, et c'était par ses prophètes qui ont été prédestinés et désignés d'avance. Et nous sommes satisfaits et convaincus qu'il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ qui se fait connaître et qui s'identifie par la prophétie. Écriture. Et alors il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Pendant qu'ils faisaient route, c'était un type du peuple appelé à sortir aujourd'hui. Le voici par la recherche scientifique. Il s'est même identifié devant la science. Et par ses actions même et par sa prophétie même, les choses qui ont été prophétisées qu'il allait faire en ce jour-ci, afin d'établir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ont été parfaitement confirmés. Cela ne suffit-il pas pour faire que notre cœur brille au-dedans de nous? Fin de citation, frère Joseph continue. Comme les apôtres de ce jour-là, nous avons été destinés à la vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire connaître sa voix. Et cette voix est la pensée même de Dieu exprimée. Nous la croyons en entier. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit par la science ou de demander de l'avis d'un sadducéen ou d'un pharisien ou de quoi que ce soit d'autre sur le sujet. Il a dit et nous le croyons. Ses brebis entendent sa voix qui parle à travers son prophète. Ce message est la voix de Dieu sur bande. C'est la révélation entière de Jésus-Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Tous les secrets ont été révélés. Nous n'y ajoutons rien, ni n'en retranchons rien. Nous faisons exactement ce qu'il nous a commandé de faire, sans tenir à la parole. Écriture. Voilà, c'est cet homme intérieur. C'est ce intérieur qui ponctue la parole, qui s'accroche à la parole, quoi qu'il arrive. Fin de citation, frère Joseph continue. Il a prophétisé et nous a dit ce qui allait arriver. Le monde entier est en train de sombrer dans la démence et ça va aller en empirant toujours. Si bien qu'à la fin, ce sera une vraie bande de fous. Il a dit que l'heure est proche où nous allons voir quelque chose se passer, où il va arriver quelque chose. Et tous ces messages étaient une toile de fond qui posait le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Je crois que nous voyons ces choses arriver en ce moment. Écriture. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité, parce que je le dis au nom du Seigneur. Fin de citation, frère Joseph continue. Écoutons et prêtons attention à tous les détails des rêves dont le prophète nous parle. Comment il en vit sur un rocher qui s'étendait d'est en ouest en forme de pyramide ponctuée. Qu'il était sur un cheval comme ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Un grand cheval blanc avec une longue crinière blanche. Qu'une nuée blanche est venue le prendre et qu'elle a emporté au loin. Après un moment, il a été assis au bout de la table et il était blanc comme la neige.
Il était là et il parlait avec autorité. C'était tout à fait clair. Chaque homme comprenait exactement ce qu'il disait. Écriture. Je parcourais encore une fois ces sentiers. Fin de citation, Frère Joseph continue. Je crois que nous voyons cela arriver aujourd'hui. Ces messages parcourent encore une fois ces sentiers. Dieu appelle et rassemble ses aigles de partout dans le monde. Ils s'unissent autour de sa parole, sa voix, ce message. Le monde est nu, misérable, malheureux, aveugle, et il ne le sait pas. Mais l'épouse est revêtue de la parole, glorieuse en esprit, joyeuse par sa grâce, et nous pouvons voir et savoir qui nous sommes, son épouse. Il nous a dit que pour autant qu'il sache, il ne voyait rien maintenant qui empêche la venue du Seigneur Jésus, sinon que son Église n'est pas prête. Aigle, préparons-nous. Je vous invite à vous rassembler avec nous autour du cadavre, dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, qui fait 19h, heure locale. Pour entendre la voix de Dieu pour aujourd'hui, nous préparer à son enlèvement imminent, alors que nous écouterons. Et tu ne le sais pas. Du 15, 8e mois 1965. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14 à 19. Colossiens, le chapitre 1, le verset 9 à 20. Que Dieu vous bénisse richement.